Marder en effet. Je suis là. La plupart des cas. Allez, on va monter sur le chantier là-haut. Je vous prends. Allez, allez là-dessus. Ici ça le plus long. Allez, je sais jeter des pierres sur la gueule. Voilà. On a une dans l'œil, t'as tout gagné, chef. Ben, 9 fesses, c'est largement exploitable entre guillemets, hein, tu vois, j'arrive à être à fond. Ouais, quand je jardine pas. Chandelle. On va moins vite. On va moins vite que le... J'avais prévu une fête parce que j'avais repéré un petit terrain de bicross. Peut-être un peu petit pour celui-là, mais j'avais prévu justement 9 fesses, histoire d'être tranquille. Mais il y avait des papas et des mamans avec leur piston. Alors, on ne les a pas dérangés. Non plus exagéré non plus, hein. C'est fait pour les tétés, c'est pas fait pour nous. Et lui c'est vraiment un guerrier. Donc la mousse, on a tout simplement on a décollé les pneus, on a mis une bande de scotch pour la recoller, et puis on l'a mis le pneu à l'avant tout simplement. Là c'est un terrain dur, là c'est un terrain dur, c'est hyper tassé. C'est... J'aime bien parce que ouais, tu vois bosser les suspects. Et c'est ça que j'adore dans ce... Même si Manny dit qu'il n'y a pas de suspension. Ah ah, a-t-on un souci? A-t-on arraché quelque chose? Ah non. Bizarre, il y a un angle de roue qui va terrible.
Là ça tient, là ça tient. Bah c'est peut-être l'angle de roue que moi qui m'a le fait hein, aussi hein, en même temps. Non tout va bien, bah, c'est moi qui me suis gouré dans l'angle de roue. Il y a un pincement. Il y a un pincement qui est pas bon. Ah là c'est cool. Bah c'est cool, je sais même pas où je suis là. Ça se trouve je suis dans un trou dans la flotte. Usine de drainage. Non, ça va. Ça aurait pu. Oh vache, là c'est tassé. Ça c'est dur là. Là c'est hyper chaud. Est-ce que tu vois Oh la vache. Et t'as un comme ça en X-Max. Il y a quand même un truc qui couille. Ah oui, voilà. C'est le triangle qui est sorti de la rotule. Je me disais bien. T'as entendu le clac tout à l'heure? Voilà, hop, c'est parti. Ah. Ouais, c'est la roue quand tu le prends latéral comme ça, qui a dû se caler. Ouais, j'ai un X-Max sur un terrain comme ça. Quand même très peu d'intérêt parce que finalement lui il rigole. Wow. Mais avec celui-là, c'est déjà. Oh. Ça c'est violent. Je peux vous dire que c'est violent. Avant, prendrait pas ce qu'il prend là, clairement. Ah là-bas, il y a peut-être un banking sympa si on arrive à aller sur le roseil. Ouais, là, t'es de face, tu prends ça dans la tronche. Là c'est le pire. Terre tassée et poussière de dessus. Ah c'est une patinette pour un 4-2. Oh, ah c'est chaud. Ah, la terre meuble, il n'y a aucun souci, mais la terre comme ça, là. Ah, j'ai beaucoup cassé de triangle, clairement. Mais je n'ai encore cassé aucune couronne. Et pourtant, vous avez vu dans le terrain où on est, hein. Ah, ça n'arrive à faire. Oh, par contre, là-bas, il y a de l'eau. Prenne, Nico, prenne. Parce que là, à mon avis, j'ai eu chaud patate. Là, c'était direct et au milieu d'une rivière. Ouais, voilà. Voilà. On va arrêter les conneries. Viens là, loulou. Viens, mon coucou. Ah là. Ah
On va éviter de faire les bouses. Là on monte aussi un peu la limite, je pense, des pneus AliExpress. Pour ce terrain, c'est très très bon pour le gazon. Mais là pour la terre tassée, il y a mieux, hein, je pense. J'attends de trouver un terrain où je peux vraiment le faire voler. Bah, vous l'avez vu un peu voler au Val d'Argent. Mais c'est vrai que j'adore sa ligne. Il est hyper sans vol. Il a intérêt parce qu'en 4-2, tu rétablis que dalle. Hein. Ouais, là, les virages latéraux dans les bandes. Ta mère lui dit preuve la mécanique. Ouais, là, j'arrive largement à passer les chevaux. Voilà. Là j'arrive sans problème. Là je peux être à fond. En 12S, quasiment sûr que j'aurais été en délicatesse sur l'accélération. Ah non, déjà. Ouais, je crois que l'écharpe aussi elle souffre, il n'y a pas que. Ouais, il va falloir aussi que je m'achète un petit autre chap. Parce que, à force, effectivement, dans ce terrain-là, c'est chaud, on va mettre juste une coupelle au-dessus de la. On va faire ça. Juste mettre une coupelle au-dessus du. Au-dessus du stop pour stopper la chape quand elle veut se développer. Wow, c'est violent, hein. Franchement, c'est ultra violent. Et oui, j'ai la marche arrière. Je vais débrayer juste mon frein avant et après. Oh putain. Ouais, tout est contrôle. Tout est sous contrôle. Everything is under control. Oh là 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 là, c'est compliqué. Là c'est un sentier compliqué là. En tout cas, les pneus ils tiennent. Leur collage. Tu vois, dès qu'il. Ouais. Allez, on tape tout le temps. Ouais, c'est trop dur pour lui. En tout cas, c'est trop dur pour lui. Pas du tout. C'est pas trop dur pour lui, c'est en tout cas trop dur pour cette chape. Comme ça là, quand chaque fois tu prends la rigole en latéral sur le pneu, ça fait des chocs énormes. Clairement, on va s'acheter quelques
quelques lots de chapes neuves et on va les remplacer partout. Parce qu'elles ont tout un peu de jeu, clairement. Après, au-delà de la suite arrière, on lui aura tout fait. C'est vraiment vraiment trop. Je me demande des fois comment il passe. Ça c'est avec l'inertie du poids. On franchit quand même beaucoup plus de choses. C'est ce que. On a aussi ce phénomène dans les herbes hautes. Plus t'as un engin lourd, plus il y a d'inertie, plus il passe mieux dans l'herbe haute. Après il y a la garde au sol qui joue, mais voilà. Plus c'est lourd, mieux ça passe. Et bah là c'est pareil sur le franchissement des seuils. Plus c'est lourd, plus en fait t'as entraîné, ton poids permet de franchir les choses. My gosh. Bon là c'est compliqué parce que j'ai encore mon triangle qui s'est développé. Mais ça roule hein. Le cardan homocyné, le cardan à balle qu'ils ont chez MCD et chez FG, c'est vraiment les meilleurs cardans, le cardan à billes. Les encoches triangulaires. Franchement, c'est top. C'est vraiment très top. Ça prend tous les angles. Ouf, voilà, pareil. Voilà, tu vois, pareil. Eh oui. Ouais. Je crois qu'on va s'arrêter là. J'ai pas de rondelle pour le mettre là-haut. Non, j'ai pas de rondelle. Alors, juste faire un petit sprint, voir si ça saute un peu là-haut. Ça peut être rigolo pour le clap de fin. J'ai juste que j'ai une petite voiture. Quand t'as fait un peu des miles, c'est que. Ah, je suis pas sûr que ça saute. Ça peut être sympa, mais. On a grave fait une encore développé. Bah, ma pauvre. Ah, t'es fatigué, chien. Putain, on se croirait sur un arma. Sur un moya, bon. On peut essayer, c'est possible. J'ai juste envie. On va faire ça. Et on va voir ce que ça dit. Il y aura déjà un pré-jump, c'est ça qui fait peur. Pas qui fait peur. Allez, loup. Ça passe mais ça saute pas. Trop doux. Alors, tente ça. Comment ça, ça sert à rien le frein? Ah si, 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 si. Ah, le frein, ça permet de tourner les gars, tout simplement. Là, regarde. Ça permet de freiner un peu plus sec. De le mettre de travers et de faire basculer la chose.
pas bon compromis. C'est aussi un très très bon compromis. C'est un très bon compromis pour les endroits où t'as pas de... t'as pas d'adhérence, ou les endroits à petit développé, petit espace. Mais clairement, là où ça adhère, en vitesse, dans les grands espaces, c'est vraiment... Oula, tip top, tip top. Attention les yeux. J'adore cette machine. Franchement, elle est incroyable. J'ai failli mourir. C'est agile en fait. Ça tourne super bien. J'ai toujours mon client qui fait waouh. Je suis passé là moi. Ouais non. Pas tout le temps. Ta gueule. Ouais là c'est chaud, là c'est dur. Là c'est dur dur dur. Ouais, ça compte. Je me suis fait une... Tu sais les trucs qu'ils font dans les cascadeurs pour que la voiture bascule. Alors bien propre hein. Dive. Non, non, je ne le ferai pas. Non, je vous dis non. Non, non, c'est pas raisonnable. Et je débloque mon frein et je reviens mon frein. À bord du précipice. Ça, je vais mettre ça comme titre de vidéo. Et ça. Comme miniature. Ah oh, putain, depuis tout à l'heure je filme rien. Bah tant pis. À bord du précipice. C'est trop con. C'est trop con.